mettez en route, je vous donnerai la tisse un peu à la maison. Regarde, il y a un appareil juste le vertical sight. La Guyane vous attend, les bras ouverts. Approche Nevis 52, bonjour. C'est dans le français. Approche Nevis 52, c'est l'approche. Bonjour. Numéro 2, route de Calep. Puis Kukov, descendez niveau 100, niveau 110, rappelez approchant. Approche prévue, 13, il est 59. Check positif, on a bien pris la route de Calep Kukov et on descend le niveau 110 et l'approche à 13. Je suis contrôleur aérien à Cayenne depuis juin 2009. 152, vous pouvez basculer dès à présent sur 126 décimales. J'y exerce des fonctions très variées, ce qui me plaît beaucoup. Le service de contrôle d'approche et d'aérodrome au bénéfice de l'aéroport international de Cayenne. Le service de contrôle en route, en zone océanique, plus particulièrement la nuit. Et le service d'information de vol au-dessus du territoire guyanais. Mac Alpha X-Ray, contact Paramaribo, 123 décimales 9, au revoir. Là, je mets à jour. Nous sommes également responsables du service d'alerte et des moyens de recherche associés dans un espace aérien grand comme deux fois celui de la métropole. Oui, bonjour BRIA. Peux-tu me déclencher une interface, s'il te plaît, pour le Greenbird 252 pour un défaut de clôture à Maripasoula? On dénonce les 430. Ok, je fais ça. Merci. Nous avons un trafic aérien très varié qui répond à différents besoins. Ça peut aller du gros porteur commercial en provenance de métropole ou des Antilles, comme le turboprop plus petit pour desservir des terrains à l'intérieur de la Guyane ou encore le nord du Brésil. Et puis de l'aviation plus légère qui comprend des hélicoptères et des petits avions pour desservir les sites d'orpaillage à l'intérieur de la Guyane. On a également un trafic fret un peu particulier puisqu'il permet d'acheminer les pièces de fusée pour le centre spatial guyanais. Notre environnement de travail devient plus performant avec la nouvelle tour et la modernisation progressive de nos outils de contrôle aérien. Tout cela au bénéfice de nos clients et usagers. Donc bonjour, je suis Lydie Bourrel, donc copilote Air Guyane. Donc notre fonction, c'est que tous les jours, donc nous desservons les communes. Aujourd'hui, notamment, nous allons partir pour un vol vers Maripasoula. Piste 08, vent 0,90 degrés, 3 nœuds. Au niveau du contrôle aérien, ça va débuter dès notre arrivée à bord. Donc ça va être à peu près 4 fois de fréquence pendant le vol. Donc là, ils vont vraiment nous dire, au moment où on quitte la TMA, qui on peut croiser. On a un Maripa ou Grand Santis, ce qu'il y a dans l'espace non contrôlé. Greenbird 252, vous avez l'estimé? Non, je suis en train de le calculer. Bon, Maripasoula, on va faire 12h50. Et tout le long, on est suivi via le plan de vol. Donc le plan de vol va nous
va répertorier toute notre route, nos altitudes, et qu'on clôturera une fois arrivé à Marepasoula. Donc sur un vol retour Marepasoula, dès qu'on rentre dans la TMA, on est à même de suivre ce que le contrôleur nous dit. En revanche, vu les orages qu'on peut avoir des fois, on est obligé de dévier de certains nuages afin d'éviter les turbulences pour nos passagers, pour le confort, et puis même en cas de sécurité. Donc dans ces cas-là, dès qu'on change notre cap, que ne serait-ce de quelques degrés, on doit automatiquement le dire au contrôleur. Je mets en route à Marepasoula pour son retour. Vous parlerez sur 123.5.